Bonjour à tous, alors c'est Anne, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Voilà, je vais vous faire passer le message dans l'instant qui est destiné eh bien, aux abonnés et aux personnes qui regardent cette vidéo, en tout cas pour ceux qui se reconnaîtront dans le message. Voilà, alors je rappelle que je m'absente du 18 au 26 décembre, donc il n'y aura plus de posts, plus de vidéos et il y aura... Je vais vous demander d'attendre pour les demandes individuelles, pour les soins et les guidances, pour début janvier. Voilà, donc je vais vous faire passer un petit message. Je souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous. Alors, ici, on nous parle d'une construction, d'un équilibre sur le plan matériel et financier. Donc ici, les personnes ont quelque chose à concrétiser, à matérialiser. On vous promet aussi davantage d'équilibre financier et matériel. On peut voir éventuellement une acquisition ou des personnes qui s'engagent dans un projet ou dans un prêt immobilier. On me parle de personnes qui ont eu des soucis financiers, qui ont connu des blocages matériels ou financiers. Donc ça va... s'arranger, vous marchez vers un équilibre, vers une construction, vers une concrétisation, peut-être un achat, une acquisition. Donc il y a eu beaucoup de retards et de blocages. Là, on me parle de personnes qui ont rencontré des blocages sur le plan matériel et financier. Donc vous êtes en train d'attirer un heureux événement à vous. Vous êtes en train d'attirer une union ou un engagement. Il y a peut-être une rencontre, des retrouvailles là qui sont orchestrées pour construire à deux, construire ensemble, emménager ensemble. Vous pouvez attirer une âme sœur, un partenaire. Vous pouvez attirer... le bon partenaire, la bonne association, le bon lieu aussi pour certains, pour ceux qui cherchent un lieu. C'est de très bon augure là. Et on me dit que c'est pour des personnes qui ont rencontré vraiment des blocages et des soucis dans leur matière. Et ça fait un moment qu'ils y sont, ça traîne, ça bloque, c'est long. Il n'y a rien qui se passe. Ben là, il y a un événement qui est orchestré, voilà. Il y a un homme, une personne bienveillante de polarité masculine qui vient à vous, qui se présente à vous. Donc c'est peut-être un amoureux, un partenaire, un associé. C'est un homme bienveillant, un homme de conseil. Donc c'est peut-être un conseiller aussi qui peut vous conseiller pour une acquisition ou sur le plan matériel et financier. Un ami, un proche, un frère... un conseiller. Voilà, donc pour certains, vous avez carrément été à l'arrêt là. Vous avez carrément été à l'arrêt, vous avez été fatigué, drainé. Et là, les choses vont pouvoir avancer pour vous. C'est quelque chose de cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, que vous voulez manifester et concrétiser depuis un moment. Ben là, vous allez y arriver. Alors, vous vous posez des questions, il y a peut-être des remises en question à faire, il faut peut-être se poser les bonnes questions, donc c'est pour ça que vous allez peut-être chercher conseil auprès de quelqu'un de bienveillant et de bon conseil. Donc là, il y a votre guide qui vous accompagne, mais aussi il y a une personne physique, une personne humaine qui peut agir en tant que guide ou que conseiller pour vous, qui peut vous conseiller sur le plan matériel et financier pour faire... des bons investissements. On peut me dire aussi que c'est une bonne période pour faire des investissements. Donc on voit ici des personnes qui cherchent des solutions concrètes et matérielles. Donc vous avez besoin d'être apaisé émotionnellement. Vous allez peut-être trouver un guide ou un conseiller, une personne de bon conseil sur votre route qui va vous apaiser et vous conseiller et qui est envoyé du ciel. «
Voilà, donc ici on voit une association, une rencontre, un rendez-vous, un entretien, une retrouvaille. Vous allez avoir un choix important à faire. Donc vous avez peut-être un choix entre deux entreprises, entre deux partenaires, entre deux activités, entre deux voies, entre deux lieux, vous voyez, selon votre situation, et vous allez arriver au bout de vos peines. Vous êtes au bout d'un cycle, là, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Vous allez recevoir de l'aide sur la route ou vous allez rencontrer la bonne personne au bon moment ou tomber sur la bonne offre, la bonne proposition. Voilà, il y a bien une manifestation, un début, un commencement qui est prévu, qui est annoncé. Et c'est quelque chose que vous souhaitez voir se matérialiser dans votre vie. Donc là, vous êtes en bonne voie. Donc persévérez, même si ça bloque, parce que vous allez y arriver. Il y a une synchronicité, un événement qui arrive à vous, voilà. Et c'est par rapport à un homme. Alors pour certains, on peut voir des démarches administratives, des papiers officiels, des choses comme ça. La remise de clés pour un logement. On a bien une union, un engagement ou une rencontre, un échange, un rendez-vous, un entretien important qui va vous faire avancer, qui va aboutir sur quelque chose de concret. Voilà, vous avez une réussite ici, vous allez pouvoir célébrer. Oui, vous avez une double réussite même. Donc pour certains, il y a peut-être deux domaines de votre vie qui vous causent souci ou pour lesquels vous réfléchissez et vous allez atteindre vos buts dans ces deux domaines. Donc ce peut être le domaine affectif et le domaine immobilier, ce peut être le travail et l'amour. Voilà, c'est à vous de voir par rapport à votre histoire de vie et où vous en êtes, hein. Donc c'est très 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 positif là. Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de batailles, vous vous êtes démené, vous sentez même fatigué. Mais on vous dit que vous êtes au bout là. Vous êtes au bout des batailles, vous vous êtes assez démené et votre persévérance va payer. Ça va avancer pour certains, vous allez recevoir une offre ou une proposition venant d'un homme. Hein. On me dit que c'est par rapport à un homme. Ou alors si c'est une femme, elle est très masculine. Hein. Vous avez une récolte ici, donc il va avoir une rentrée d'argent, un gain financier, un soutien financier, une rentrée d'argent, un prêt accordé, quelque chose comme ça. Vous allez avoir un soutien financier là. En tout cas, il y a une récolte, un événement très positif et concret, hein, qui va se poser sur votre route. Voilà, on a bien une union, donc pour les personnes qui sont seules, vous allez rencontrer votre âme sœur. Il y a une rencontre, une retrouvaille là. On me confirme que vous êtes bien au bout d'un cycle et qu'il y a une récolte qui arrive. Vous allez rentrer dans un cycle positif là. Parce qu'on me parle de personnes qui ont fait beaucoup d'efforts et qui ont beaucoup travaillé, même sur le plan affectif. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous vous êtes beaucoup démené par rapport à une relation ou pour tout simplement vivre l'amour. Vous avez fait des soins, vous avez travaillé sur vous, vous avez cherché à comprendre. Eh bien, sachez que vos efforts vont payer. On a une rencontre là, on a des nouvelles qui arrivent. Et ce sont des nouvelles extrêmement positives. Moi, je sens qu'il y a des personnes qui vont fêter une acquisition, fêter un nouvel emploi, fêter un nouveau lieu de vie, fêter un projet qui se concrétise,
fêter un prêt qui est accordé, fêter une union, une rencontre, un amour. Voilà, c'est très positif, hein. Et ça fait un moment que ça dure, hein. Là, ça traîne depuis des mois, voire depuis des années pour d'autres, hein. Et on vous dit que ça va avancer, hein. Les choses avancent et vous avez une proposition, une invitation, un événement, une synchronicité qui vient à vous et vous êtes vraiment au bout d'un cycle là. Donc vous êtes prêt à récolter. Voilà, donc gardez confiance et foi. Ça va se débloquer, ça va pouvoir avancer pour vous. Je vais demander un petit complément avec mon oracle là. Oui, on me parle de personnes qui ont beaucoup cherché et puis qui ont attendu des nouvelles, des communications qui ne sont jamais arrivées. Ben, sachez que là, il y a des communications qui arrivent. On me parle de personnes qui ont subi des cassures, des séparations, des fins, des ruptures, de personnes qui sont en non-contact, qui attendent un retour. Donc ben là, apparemment, vous allez avoir un retour. Voilà, les choses avancent, on vous dit, et on vous dit qu'il y a un voyage ou un déplacement particulier qui est prévu. Donc, il y a quelqu'un qui vient à vous, une opportunité, un événement qui vient à vous, où c'est vous qui allez vous déplacer. Et on peut me parler de déménagement et d'emménagement pour d'autres, hein, si vous êtes préoccupé par un lieu de vie. Il y a les déménagements sont favorisés et confirmés là. On me parle de personnes qui ont même rencontré des dualités dans le cadre de leur relation. On me parle de personnes qui sont seules. Donc pour les personnes qui sont seules, vous allez rencontrer l'amour. Vous êtes en train d'attirer à vous une âme sœur. Et c'est par rapport à un travail que vous avez fait sur vous. Donc il va falloir dépasser ses peurs pour se lancer, pour s'élancer dans une nouvelle histoire. Pour ceux qui souhaitent acquérir, qui souhaitent acheter, qui souhaitent investir aussi. Vous allez devoir dépasser vos peurs et vous lancer. On vous dit que c'est à vous de vous lancer et de dépasser vos peurs et que l'univers vous suivra dans votre lancée. Mais on vous dit que c'est à vous de faire le grand saut. On vous dit que vous êtes protégé des dangers et des attaques énergétiques. On vous dit de ne rien craindre. Donc vous êtes en train de lâcher prise de vos peurs ou la personne par rapport à vous est en train de lâcher prise de ses peurs. Vous êtes en guérison, votre situation est en guérison. Donc c'est très positif et encourageant là pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce message. Je vais demander une dernière carte. Il y a la solution, vous avez la clé, donc ça va s'ouvrir. Il y a une solution, il y a une clé. On me parle bien de remise de clé pour ceux qui cherchent un lieu de vie. Voilà. Donc c'est très 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 positif. Alors, on vous demande de vous défaire des jugements des autres. Si pour certains, il y en a, ils ne croient pas en votre rêve ou en votre réalisation parce que ça fait des plombes que ça dure, mais on vous dit de ne pas écouter les autres, qu'avec de la persévérance, vous allez y arriver, vous avez les forces divines avec vous et que peu importe le temps que ça prendra, l'important, c'est que vous atteignez, que vous réalisez votre rêve et votre but. Voilà, donc s'il y en a qui se moquent ou qui disent mais tu n'y arriveras jamais, ça fait des années que ça dure et tu y crois encore, etc. N'écoutez pas ces personnes-là, écoutez votre cœur, vous allez y arriver. Voilà.
Donc c'est un très beau message, c'est un message encourageant. Donc c'est vrai qu'on me donne toujours des messages positifs pour pousser les personnes à réaliser leurs rêves parce que dans la société dans laquelle on vit, on fait tout pour qu'on ne croie plus en nos rêves en fait. Donc moi, on me donne ce rôle-là, cette mission-là, inverse, pour pousser les personnes à continuer de croire en leurs rêves, à continuer de croire en leur cœur. Parce que ce qui est logé au fond de votre cœur, c'est ce qui est logé dans votre âme et souvent c'est aligné à votre mission d'âme. Mais c'est pas sans défi et sans challenge, donc souvent il faut se battre, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. La vie est faite de cycles aussi, donc des fois on a l'impression de se battre pour tout et d'un coup il y a tout qui s'ouvre et tout devient plus léger, fluide. Donc c'est la loi du karma, c'est une loi universelle et en temps et en heure, quand les choses doivent s'ouvrir, elles s'ouvrent. Donc continuez de croire, vous allez y arriver. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez au divin et tout va s'ouvrir pour vous. Voilà, c'était le petit message du jour. Donc j'étais heureuse de vous le transmettre. Donc je pense que je reviendrai avec un ou deux messages avant de partir en vacances. Sinon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et passez de belles fêtes de fin d'année. Voilà, mais je pense que je vais revenir vous transmettre un ou deux messages avant de m'absenter. Voilà, prenez bien soin de vous. Merci.